jour, quelqu'un m'a dit... En apprenant à me débrouiller seule, je me... Non mais attends deux secondes là. Attends que je regarde bien. Tac, si je clique là. Attends. Je zoome là. Tac. Mais oui. Mais oui. Alors, je sais pas, le modèle 3D, il est un peu bizarre. Tac. Est-ce que la vraie actrice, celle qui a servi de modèle, hein, c'est pas celle qui double, bah, elle ressemble à ça. Et si on faisait le reste de la vidéo comme ça serait quand même beaucoup mieux, non? Avec son vrai visage, elle est bien plus jolie que le modèle en 3D. Qu'est-ce que vous en dites? alors, est-ce que ça vient de la modélisation? Bon, bref, on continue comme ça. Un jour, quelqu'un m'a dit... En apprenant à me débrouiller seule, je me forgerai mes propres opinions. Pour servir une cause qui me dépasse. Et pour le bien de tous. Ces mots m'accompagnent chaque jour, dans ma quête. Où qu'elle puisse me conduire. Cette fois, ils m'accompagneront. C'est bon. Parle. Je suis désolée. Tu peux être cinglante parfois, tu sais. Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin. Le problème... C'est que je vais devoir continuer. Je n'ai plus de piste, Varl. Mais je dois continuer de chercher. Et vite, quels que soient les risques à prendre, je le ferai. Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagné. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est ma mission, Varl. La mienne. Attends. L'autre fois, à Méridian, tu as dit qu'un homme t'avait aidé. Silence. Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui, sur des choses que tu avais apprises sur l'ancien monde, et que personne d'autre ne comprend. Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hadès. Il est parti, Varl. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hadès. Bien sûr. Mais le maître espion marade à Méridian. Il est doué pour trouver des gens, je crois. Varl, je... Allez, ça peut marcher. Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis. D'accord. D'accord. Oui, j'imagine qu'on peut essayer. On a une longue marche à faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Un ascenseur? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai bien de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. Bon, dis-moi. J'imagine que t'es pas venu jusqu'au couloir pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu. Pour que je parte vers l'ouest. Rend, ce que j'ai fait à la flèche...
ce qu'on a fait, ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment ? Mais c'est génial ! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule. Ouais, bien sûr. Eren, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Vouadis, le studieux. Ah, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Vouadis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi ? Toi, t'excuser ? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend ? Rien, laisse tomber, d'accord ? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la Flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça ? Rend, écoute. Je suis désolée que ça ait été compliqué quand je suis partie. Et je sais que ça l'est toujours. Mais tout ce que je fais... La vie sur Terre est en danger. Et moi seule peux la sauver. La vie sur Terre ? Ouais. Tout mourra si je ne réussis pas. Alors laisse-moi t'aider ! Ah ! Impossible. Il n'y a aucune machine à combattre, aucun méchant à tuer. Ce que je dois faire... Je ne peux même pas l'expliquer.